Salut à tous, c'est Ayao sur YouTube. Allez, du Tekken Tag 2. Donc niveau, liste des coups, retour jeu, liste des coups, niveau, liste des coups, retour, on appuie. Donc je joue en niveau normal contre l'IA. Hein. Donc la suite du mode arcade. Hein. Voilà. Ah là, bien joué là la boule, j'avais pas vu. Ah le salaud. Ok. Voilà, c'est bon, je l'ai eu, putain, hein, il était en train de revenir, hein, le salaud. Donc je joue Warang Zafina, hein, bien sûr, hein, vous avez capté. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Bah ouais. Ah, le salaud. Ah non. Ah mince, j'ai... Non, là, 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 là. C'est pas bon. Ah putain, tout le temps le coup il whiff. Tiens, 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 voilà, c'est bon, je l'ai eu. Ok. Oh, le salaud. Le salaud. Ogre! Stage 8, Ogre. Putain, je suis dégoûté de jouer en 480p, hein, parce que les graphismes, ils ont l'air complètement là, hein, dans ce jeu-là. Ok, d'accord. Ok. Ah, j'ai cru qu'il allait se recover. Enfin, il sait recover, mais... Oh putain, mais le jour où je le toucherai, c'est un truc de ouf, hein. Ah, je l'ai, et là je le vois. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Ce qui est recover hein, à la fin, hein, faut, limite faut le tuer avec un counter, hein, le salaud. Mais quelle est cette lumière? C'est Jun Kazama. Mais pourquoi elle est customisée? C'est ça que je comprends pas. Ils auraient dû laisser la Jun Kazama telle quelle, quoi. Ça aurait été plus stylé. Plus là, elle est balèze à battre. Hein. Faut que je la batte un round. Ah, oh, dommage. Je vais pas placer la choc de dos.
Vas-y avec tes tonfas là. Ah merde, et tout le temps je me trompe de direction. Oh. Oh. Elle a contré mon coup de pied. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Ouh. Parce que elle, si on la laisse, après elle laisse tomber, elle prend trop la confiance. Hein. Et voici Unknown. Oh, ça c'est trop stylé, j'avoue. Non, j'étais trop loin. Ah ouais, ça c'est stylé. Ah là là, son coup de pied ciseau, là il m'a eu. Ah, elle m'a eu. Elle m'a bien launché là. Ah là 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 là, son ciseau là. Putain. Oui, non. Elle recover, c'est pour ça. Voilà, mais c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Waouh, c'était non sans mal. Hein. Je joue en normal, hein, parce qu'en ultra hard, c'est trop dur, hein, franchement. C'est super bien fait. Hein. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir jouer en 720p. Hein. Donc voilà, donc c'est la fin de Warang, hein. Comme je l'ai pris en premier. Allez, une petite course avec Jin Kazama. Comme dans Tekken 5, hein, il y avait la même chose à peu près, je sais plus si c'était Tekken 5 ou Dark Resurrection sur PSP. Où en fait, à la fin, Warang, il faisait de la moto, et puis il s'est fait interrompre par une explosion. Et c'était Devil Jin, en fait. Donc là, voilà une course de moto entre les deux rivaux, là. Ok, hop là. Ah, il le voit plus. Bon, là, Jin Kazama, il vole hein, avec sa moto. Et là, les houlons. Oh la balance. T'es une balance, Warang. Pour la peine, je te prends plus. Voilà, donc c'est la fin. Donc c'est bon, j'ai réussi à faire ma fin avec Warang. J'avais déjà fini avec Warang, mais j'avais pas filmé en fait. Hein. Donc je vous proposerai quelques fins. Je vais pas faire tous les persos, hein, parce qu'il y en a trop, mais je vous proposerai une fois de temps en temps quelques fins. Allez, ciao.